Octobre 78, date de mon arrivée. Quand beaucoup pleuraient à la maternité, dans le berceau, j'étais le seul à ronfler. Aucune envie, déjà fatigué. Dès la naissance, cerveau déglingué. En grandissant, rien ne s'est arrangé. Toulouse, ma ville, mon QG. Le Mirail, ma cour de récré. Principal lieu de mes excès. Ma passion pour les boissons alcoolisées. Les gros seins naturels ou siliconés. À croire, je suis pas sevré. Pas de sentiments, je suis pas équipé. Que des centimètres pour des traînées. Pas d'état d'âme, que des péchés. Le pasteur, un nom déjà assumé. Depuis toujours, je suis possédé. Ma ville, diable, côté passager. Que de la saloperie, une fierté. Oublie le discours engagé. Je suis là pour te faire chuter. L'enfer, un objectif assuré. Le carré VIP, j'ai signé. L'homme de foi dont la foi s'est envolée plus vite que le string d'une fille joie. L'homme de foi qui s'octroie le droit de prêcher un hommage au tapin. Et là, le pasteur te convertira, chasse ou pas. C'est un connard plus vicieux que les douze salopards. Qu'a crevé le bon pour traîner avec la brute et le truand. L'animal lecteur du vice et des pécheurs. C'est qui, c'est le pasteur? Les années ont vite défilé, du funk au hip-hop vite fait. Premier sermon, rien engagé. Juste la haine dans mes couplets. Juste des vérités, certaines ont gêné. Direction Bordeaux pour être formé. Dans les orques ont bonifié. Pour le pasteur, rien ne s'est arrangé. Sauf ma tenue, des gaines améliorées. Starco noir à la ceinture chapelée. Chemise col blanc, crâne rasé. Style vestimentaire décalé. Surtout pour un mec de cité. Je le vis bien, je suis un enfoiré. Au bout d'un an, retour au quartier. Entre le B9 et mon nouveau job, patron d'un couvent, je vais me régaler. Pété au 20 mètres, nourri, logé, pioche dans le tronc pour mes soirées. Je donne le champ, je reste discret. Pas pédophile, les coches, les haies. Je prends soin de l'orphelin à coups de souliers. Et des veuves que si elles ont le cul bombé. L'homme de foi dont la foi s'est envolée plus vite que le string d'une fille de joie. L'homme de foi qui s'octroie le droit de prêcher un hommage au tapin. Et là, le pasteur te convertira, chasse ton pas. C'est un connard plus vicieux que les douze salopards. Qu'a crevé le bon pour traîner avec la brute et le truand. L'animal lecteur du vice et des pécheurs. C'est qui, c'est le pasteur? B9 crew n'aura pas duré. Dû à trop de fort caractère. Pas de détails, c'est du passé. Plus que le couvent à superviser. Je passe des heures à les regarder. Trouver la faille pour les abuser. Le doute a commencé à s'installer. Au nombre de bougies consommées. La suite classique, le froc baissé. Les nonnes ont l'air d'apprécier. Aucune d'elles ne fait la choquer. La bénédiction faciale est osée. Leur confession efface les péchés. Quelques mots, elles sont sauvées. Certaines revivent leur passé. D'autres découvrent les plaisirs de la chair. Elles ont l'air d'aimer. Les nonnes sont loyales. Les formatés, les dons rapportent pas assez. Je les partage pour encaisser. Bizarrement, je sens le vent tourner. Le Vatican va me le faire payer. Aussi vrai que Benoît XVI a démissionné. Peu de temps après m'être évadé. L'homme de foi dont la foi s'est envolée plus vite que le string d'une fille de joie. L'homme de foi qui s'octroie le droit de prêcher un hommage au tapin. Et là, le pasteur te convertira, chasse ton pas. C'est un connard plus vicieux que les douze salopards. Qu'a crevé le bon pour traîner avec la brute et le truand. L'animal lecteur du vice et des pécheurs. C'est qui, c'est le pasteur?